Bonjour, je m'appelle William Christie et j'ai le plaisir, l'honneur de diriger un ensemble que vous connaissez peut-être qui s'appelle Les Arts Florissants. Je m'appelle Paul Agnew, je suis chef adjoint de Les Arts Florissants. Les Arts Florissants, c'est un chœur et un orchestre spécialiste dans la musique baroque qui joue sur les instruments de l'époque. Venez nous écouter. Premièrement, un opéra de Mozart, un opéra de jeunesse qui s'intitule La Finte Giardiniera, par une distribution de jeunes chanteurs qui font partie de notre jardin des voix. Ouais. Donc il y a un jardin des voix tous les deux ans, et donc ça veut dire que les années impaires, on va dire, c'est l'académie, et les années paires, on auditionne les chanteurs. Et donc on entend à peu près 200 chanteurs. Et puis en audition en vrai, en audition aux États-Unis, à Vienne, ici à Paris et ailleurs. Et puis on choisit finalement 6 chanteurs, entre 6 et 8 chanteurs. Alors il y a déjà eu 6, allez-y, pardon. Oui. Oui, et puis on a 2-3 semaines pour former une vraie équipe et un spectacle. Alors il y a déjà eu 6 éditions, hein, 40 nationalités, vous le disiez, Afrique, Proche-Orient, États-Unis notamment. Vous avez cité l'Autriche aussi, donc 2 semaines de formation. Il y a eu une tournée mondiale. Alors, comment est-ce que vous sélectionnez ces nouveaux talents? Bon, c'est sur plein de qualités différentes. Bien sûr, on cherche les belles voix. Ouais. Mais ça, c'est le base, je crois. Et on cherche aussi une curiosité pour le répertoire, parce que c'est un répertoire baroque, donc une époque très spécifique. Et on cherche une fraîcheur, je crois, une approche à la musique qui des jeunes qui veulent s'exprimer, qui veulent prendre des risques.